Bonjour, alors dans cette vidéo, on va parler de la précision des mandrins et porte-pinces que j'utilise sur ma fraiseuse. Donc, pour les mandrins, c'est un mandrin de précision en 16 qui va de 1 mm à 16 mm, un mandrin qui va de 3 à 16 et un porte-pinces en ER32, tous en cône CM3. Et on a utilisé un morceau de fraise qui a été coupé pour la précision, puisque c'est de l'acier assez précis rectifié, ce qui permet de le comparer avec de vérifier avec un comparateur. Donc on va faire des vidéos successives et tester chaque mandrin pour voir ce que ça donne en précision et voir si c'est bien, c'est du bon matériel. J'avais déjà contrôlé une fois pour voir, et c'est vrai que des fois on a des surprises, hein. On peut avoir un mandrin qui peut avoir 5 dixièmes par exemple de défaut. 5 dixièmes sur de défaut, c'est presque inacceptable sur une fraiseuse, on va dire. Même sur un porte-pince, on n'a pas 5 dixièmes de défaut, hein. Il faut faire attention à ça. Si vous avez ces genres de tolérances-là, c'est du matériel vraiment bas de gamme. Donc il faut faire attention à ça. Donc nous allons contrôler et je vous reprends après. On va installer déjà le porte-pince, ensuite le mandrin de précision et ensuite le mandrin qui était livré avec la fraiseuse. Et nous verrons les résultats. Donc, je vous attends pour la suite. Allez, à plus. Donc voilà. Donc là, j'ai installé le mandrin. Donc pour la précision du mandrin, pour savoir la précision du mandrin de précision, c'est qu'à le dire. Donc installé sur la fraiseuse, on va regarder combien on est. Donc on va mettre le comparateur à 0. Alors, pas que ça bouge, bien sûr. Se mettre un peu plus haut parce que là on touche le voilà. 0. Je sais pas si on voit bien. Essayer de se rapprocher un petit peu. Deux centièmes. Donc 2 centièmes de précision pour le mandrin de précision. Ensuite, on va vérifier avec le mandrin qui était vendu avec la fraiseuse. Donc j'installe et je vous reprends après. Donc là, j'ai installé le mandrin d'origine. Hein. On voit que c'est un mandrin d'origine de la fraiseuse. Et on va regarder à combien on est par rapport à un mandrin de précision. Alors, attends, on va peut-être serrer différemment parce que peut-être qu'il n'est pas bien en place. Parce que je trouve que ça fait beaucoup. Il y a un dixième. Voilà, ma 0. Ah, 4 centièmes. 4 centièmes. Donc voilà. Donc il faut faire attention qu'il n'y a pas une petite saleté dedans ou quoi que ce soit. Hein. Des fois, bon, et puis ça suffit pour dérégler. Hein. Donc là, on a 4 centièmes. Hein. Mandrin de précision 2 centièmes. Là, on a 4 centièmes. Je veux dire, 4 centièmes, c'est très très bien hein, pour un mandrin qui n'est pas de précision. Donc on peut très bien l'utiliser pour percer, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, on va contrôler le porte-pince. Donc, voir ce que ça donne. Donc, je vous reprends après, je l'installe et je vous reprends après. Voilà. Donc, ça filme. Oui, c'est bon. Donc là, j'ai installé donc le porte-pince ER32 avec toujours la même pièce. Hein. Donc, on est en contact. J'ai mis le comparateur à 0 et on a 2 centièmes. Donc on a 2 centièmes de défaut. Donc vous voyez, bon, c'est quand même assez précis quand même entre le mandrin de précision, le mandrin qui est livré avec la fraiseuse et le mandrin porte-pince, enfin le porte-pince en R32, il n'y a quand même pas énormément d'écart. Hein. Donc alors, on va enlever ça.
Pour le porte-pince, pensez toujours à mettre la pince dedans, clipsée. Ça, c'est impératif. Ça veut dire que quand vous vérifiez toujours que tout est bien nettoyé là-dedans, avant de mettre la pince, que la pince soit bien propre, vous la clipsez dedans. Voilà, elle ne doit pas bouger. Vous vérifiez le cône à l'intérieur si c'est bien propre. Voilà, donc. Et ensuite, eh ben, vous n'avez plus qu'à serrer la pièce. Alors, faut mettre la pièce, puis serrer. Donc à la main. Et après, vous finissez qu'un petit coup de clé. Donc le coup de clé. Avec une clé de ce type-là. Il y en a à l'argot, il y en a comme ça. Et quand vous dévissez, je vais vérifier la précision, parce que tout à l'heure j'étais pas suffisamment serré, on va vérifier quand même. Ouais. Alors, là c'est bloqué, on met à zéro. On vérifie, hein, maintenant que tout est bloqué. Un centième. Il y a un centième là. Donc vous voyez, tout à l'heure j'avais pas suffisamment bloqué ça. Une fois que c'est bloqué, on a un centième. Donc on est vraiment précis quand même. Alors, quand vous avez une fraise dans le porte-pince là, toujours prévoir de mettre un chiffon en dessous. Parce que quand on dessert, le souci, c'est que ça a tendance à tomber. Voilà, des fois la fraise elle tombe et puis elle va tomber, elle va se piquer dans la table ou alors dans l'étau. Donc c'est pour éviter d'abîmer la pointe de la fraise ou les tranchants de la fraise, il faut mieux mettre encore un chiffon dessous au moment qu'on dessert. Voilà. Donc eh ben, sur ces vidéos, voilà donc la précision des mandrins et porte-pince sous la fraiseuse. Donc ça vous permet de savoir si vous avez des mandrins qui sont suffisamment précis, hein, et des pinces suffisamment précises. Alors bien entendu, toujours prévoir un nettoyage avant, hein, qu'il n'y ait pas de saloperie dans le cône morse de la machine, dans les pinces et tout. Avant de travailler, on peut toujours contrôler si on veut faire du matériel de précision, hein, on veut faire des pièces de précision. C'est bien de savoir si déjà, bah, quand vous allez mettre une fraise, est-ce qu'elle va bien tourner rond? Voilà. Ou un forêt, s'il va bien tourner rond. Encore quand on perce, c'est pas trop grave. Mais quand on fraise, si on veut vraiment une cote précise, bah, vaut mieux que ça tourne rond. Hein, s'il y a par exemple un copeau dedans ou quoi que ce soit, bah, vous allez peut-être mettre un dixième de plus que la normale. Donc à vérifier. Donc eh ben, sous cette vidéo, bah, n'hésitez pas à mettre un pouce. Alors à chaque fois sur mes vidéos, je mets un lien sur la playlist en bas. Comme ça, vous pouvez voir toutes les vidéos que j'ai faites sur la fraiseuse et sur le tour, sur les explications. Donc il y a un petit lien, vous cliquez dessus. Ça permet de voir des choses que j'ai faites, que ce soit du filetage, du fraisage, du tournage, molletage, etc., etc., etc. Tout ce qu'on peut faire avec, enfin, tout ce que j'ai déjà fait déjà avec mon tour et ma fraiseuse. Il y a encore beaucoup de choses à faire, hein, bien sûr. Après, bon, c'est en fonction des besoins. Donc, n'hésitez pas à mettre un commentaire, savoir ce que vous en pensez. Et puis vérifiez, voir vos mandrins et tous vos porte-pince s'ils sont précis. Voilà. Donc, eh ben, à la prochaine. À plus. Au revoir.